Bonjour à tous et à toutes et aux autres aussi et aux paillards également. Je suis déjà entouré du père en fait. Messieurs, bonjour Fred. Bonjour Benjamin. Comment allez-vous? Bonjour Pierre. Non, ça va beaucoup trop bien. Bonjour Pierre Cross. Frédéric. Ça va être très simple aujourd'hui et c'est une vidéo que beaucoup attendaient. Oh, nous surtout. Nous surtout. Et beaucoup d'abonnés nous disaient à quand ce volume 2 des chansons paillardes, mais nos propres compos. Bien sûr. On l'avait fait la dernière fois en deux parties. Une avec des chansons existantes, on avait moins ri. Et en faisant les nôtres, on a eu beaucoup de compliments. Bah ouais, parce qu'en plus, quand on fait les nôtres, on peut avoir directement les explications de l'auteur. Tout à fait. On dit le mot auteur, hein. On est bien d'accord. Nous sommes en compagnie de l'arbitre ultime Fred, qui va nous rappeler brièvement les règles de ces matchs ultimes. Concept classique du Tuerie Tupère, vous allez chacun votre tour chanter, énoncer, lire vos propres compositions dans le but de faire rire l'autre. Celui qui rigole, évidemment, donne un point à l'autre. À la fin, on compte les points, il y aura un gagnant, il y aura un perdant. J'ai gagné le premier volume Chanson Paillard. C'est pas pour me flatter, mais on va remettre t'as les bases et trucs. Bon, pour l'instant, t'as quasiment tout gagné. Je suis pas bon. Je te sens un petit peu confiant sur cette étape. Alors, je suis confiant sur mes textes, parce que j'ai peaufiné. Je suis pas confiant sur le rire, parce que ça fait rire automatiquement lui tout seul. Par contre, petite difficulté supplémentaire, c'est que là, l'arbitre d'habitude, il est au courant des trucs qu'on va tirer. Effectivement. Là, c'est la première fois, parce que d'habitude, je sélectionne avec l'équipe, qu'est-ce qu'on garde, etc. Donc je sais exactement ce que vous allez dire. Là, tu vas les prendre de plein fouet, quoi. Monsieur l'arbitre, c'est vous qui décidez. Tirage au sort, qui commence? Je vais commencer par toi, Benjamin. D'accord. Parce que j'ai peur que Pierre, tu vois, s'il commence, ça le fasse rire tout de suite. Et bien évidemment, comme les chansons paillardes le veulent, on a le droit à la petite mélodie qui va avec la composition. On s'excuse d'avance pour les vulgarités. Oui, il n'y en aura pas tant que ça. On s'excuse pour les grossièretés et pour... En fait, on va s'excuser pour tout. D'accord, c'est on s'excuse pour la vidéo. On s'excuse pour... Alors, quand vous voulez, Benjamin... Et... Alors, attendez. Les gars... On va pas la faire. En fait, je repense déjà aux anciennes mélodies. Oui. Par contre, on regarde bien les yeux dans les yeux. Bien sûr. Mais c'est bien de le rappeler aussi, attention. Allez, on commence parce qu'à un moment donné, faut aller dans le match. C'est la finale de Coupe du Monde, là. Faut y aller. Je prends celle-là. Ça va pas commencer, J'ai la main dans ta culotte, j'ai la main qui flotte, j'ai la main dans ton caleçon, ça sent fort le fion. Merci. Ça commence fort. Surtout que j'ai la suite. T'as quoi? J'ai la suite de ça. On sait que ça se décline. On sait que ça se décline assez vite. Okay. Allez Pierre. Bon, un point pour Benjamin déjà. Ma petite amie, elle est trop belle. Quand elle mange mes mirabelles, la femme du voisin a un beau cul. J'invite toute seule au barbecue. J'ai résisté. Mets-moi un coup dans le pouce caca, je veux sentir ton pied de biche. Mets-moi un coup dans le chocolat, je veux sentir ta péniche. Je l'ai eu encore. Mais c'est ça qui est excellent dans les chansons paillardes. Si, ça veut rien dire. Le début va bien, mais. Quelqu'un qui te dit mets-moi un coup dans le pouce caca, tu comprends que bon, il veut pas une bière. Mais la péniche, elle a rien avec le. Bah, je veux sortir ta péniche. Il y a un truc assez long qui va. Ça va rentrer dans le port, quoi. Oh, c'est dur. Attention, père. 2-0 pour Benjamin. 2-0, hein. Et là, je commence un gros match, là. L'apéro. Ça commence par un petit peu, ça finit par un petit haut. Ah oui. Point pour Benjamin. L'apéro est sain et simple et facile à apprendre. Très très bien celle-là. Ça commence par un petit P, ça finit par un petit O. Oui. Elle est bien celle-là, bravo Pierre. Ah ouais. Demain, seconde près, je flanchais. Ouais, je sais. J'y boufferais bien la ratatouille, mais ça sent pire que sous mes couilles. J'y boufferais bien les escalopes, mais ça sent pire que dans mon froc. Très bien, j'ai pas eu. Vraiment bien. Tiens-toi bien, ça va secouer. Hey, fais juste gaffe à pas te noyer. Hey, et si le bateau dérive, y'a tous les équipages qui arrivent. Très brassant. Très guitare sèche, très très feu de camp. C'est intéressant. Vous m'aurez pas eu là-dessus, vous le comprendrez bien. J'ai bu des litrons, j'ai plus la mémoire. J'ai le fion qui baille, je peux plus m'asseoir. J'aime parfois
chanter à haute voix. Surtout quand je suis seul. Les coups de la bille du cul qui pue la gueule. Ah, j'ai raté mon effet. Il a voulu être stratégique. Mais non, mais non. Pas ce genre de frappe. Eh, ça me rappelle un peu le cul de truc, la boule qu'il faut être là. Oui, à la fin, là, c'est la même mécanique. J'ai fait caca dans mon froc, ça sent pas la noisette. J'ai fait caca dans mon froc, je marche comme une arbalète. Je vais passer sur celle-là. Tu marches comme une arbalète, ça fait rien. Tu sens que bon, il fait qu'il y a un froc, quoi. Beaucoup de froc, hein. Oui, bah, paillard, hein. Alors, je connais une guenon qui s'accroche à toutes les branches. Je connais une guenon, y a pas que les bananes qu'elle mange. Il m'a sauvé quand même. Oh, le livre de la jungle. Point pour moi. Enfin, pour moi. Ah ouais. Bon, je sais pas, j'ai pas le replay, mais... Ouais, j'ai... C'est son rire qui m'a fait rire. En fait, bon, je peux pas t'accorder... En fait, j'ai ripé. Ah. Je suis désolé. Ouais, ouais, d'accord. But de l'arbitre, ça compte pas. Je suis désolé. C'est le braquemar, hein, GG, qui a fait le tour du monde. On dit qu'avec son skeg, il a peint la Joconde. Je te propose la suite. J'ai des enfants dans les quatre coins du monde. J'en ai des beaux, j'en ai des laids, j'en ai même un immonde. J'aime bien. Qui c'est qui a ouvert une poissonnerie dans la culotte de ma femme? Oh l'odeur, je vous raconte pas le drame. J'ai tellement honte. C'est joué. Il vit les répliques. C'est quoi holodrame. C'est joué, c'est une comédie musicale. Oui, c'est un mauvais théâtre. Holodrame. J'ai l'anus qui gratte. C'est la chanson ou t'es... Ah, c'était... Mais non. Mais je tente des effets. Tu m'aurais pas eu là-dessus. Je tente des effets. Ça reste quand même une compétition, pas à moi. J'ai le zizi qui est rempli de fromage, donc je pars voir les rois mages. Melchior me dit, ça sent la mimolette. Non, lui dit Gaspard, ça sent bon la raclette. J'ai honte. Pourquoi Gaspard? Très technique, hein. Gaspard, Melchior, c'est la crèche, hein. Il pue du skeg, il va avoir les romages, hein. Très bien, point. Oh là 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 là, mais ça, c'est encore une fessée, là. C'est un non-match, ça. C'est encore une fessée, là. Elle fouille dans mon slibard, parce qu'elle aime le sauciflard. C'est Michel Cucu, qui avait les roustons pleins. Tu lui tires sur la tige, tu repars avec un plein. Michel Cucu. Tu repars avec le plein, quoi. Tu repars avec le plein. Pouette, c'est le bruit qu'elle fait quand je tire sa couette, couette. Couette, ça va puer, lève pas la couette. Ah, c'est bien. C'est la mort d'une peluche, là. C'est le braquemar à GG qui a découvert l'Amérique. Ils ont pu poser l'encre car il avait la trique. Pas eu. Encore le braquemar à GG, quoi. C'était une petite suite. Ce fameux GG. Hein. C'est, voilà, oui. Puis tu sens qu'il peut avoir 8 chansons sur le braquemar à GG. J'hésite entre les deux. Vas-y. La plus grosse. Je te sors la grosse. Femme fontaine, je ne boirai pas ton eau. Il s'auto-fait rire. Elle était bien. Ah, tu m'aurais eu. Ouais, tu m'aurais eu là-dessus. Faut être femme fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Mais oui. Allez. Oui. J'ai les roustons qui grattent, il faut que je mette du beurre de baratte. C'est pas grave, j'ai une belle avance. Dernière pour moi. Ta femme a des beaux nénés, il faut que je lui rende son soutien-gorge. C'est pas parce qu'elle a pris foire qu'elle a mal à la gorge. Eh bien. Dernière pour moi, hein. Oh, c'était un match. Il n'y a pas match. C'est dur, là. C'est dur pour pire, là. Je suis imbattable là-dessus, hein. Je vais le fond du slip en marre de café. Je fais un Picasso à chaque fois que je lâche un paix. Je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu, ouais. Je l'ai pas eu.
Dur, dur pour Crossos là. Pas facile. Très dur pour Crossos. Mais moi je passe un bon moment, c'est le principal. C'est le principal, j'espère que les gens aussi ont passé un bon moment. Je suis vainqueur, ça, on peut pas le contester. Tu partais favori et t'as répondu présent malheureusement Pierre, ben... 8-0. On va vous quitter gentiment. Ouais. Un grand merci à vous. Un grand merci à Pierre Cross. Un grand merci à Fred merci qu'on peut retrouver sur son Insta, oui. L'arbitre magique. Ouais. Et on s'amuse. C'est le Pragmara GG.